Chaque année, de février à novembre, une colline du sud de la Bourgogne se transforme en lieu de rencontre pour des dizaines de milliers de jeunes du monde entier. À quelques mètres de vieux murs de pierre, un village de tentes a poussé dont les habitants se renouvellent de semaine en semaine. J'ai une très mauvaise mémoire, alors c'est vrai que je ne me souviens pas tellement de ma première fois à Taizé. On m'a rappelé par la suite que j'avais dit que Taizé c'est à la fois magique et complètement naturel. Ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé à Taizé, c'est de voir tout le monde qu'il y avait. C'est surprenant, c'est extra. Une foule pareille, ce n'est pourtant pas un concert de rock ni un festival de musique. Ce qui m'a impressionné, c'est l'ouverture des gens et la capacité qu'ils ont à nouer des liens très facilement et vraiment à pouvoir parler de choses, de tout et n'importe quoi, mais aussi de choses profondes. Parce qu'il n'y a aucun préjugé, personne ne juge. On est là, on n'a pas les mêmes cultures, pas la même langue et c'est pas du tout une barrière. Ce qui m'a surpris à Taizé, c'est finalement ce que frère Roger voulait faire ici, mais qui me paraissait un truc impossible, c'est de créer la communion avec les gens. Ce qui m'a surpris en arrivant à Taizé, c'est un style de vie. Je m'attendais, puisque c'est en Europe, à trouver quelque chose de somptueux. Mais j'ai découvert un village. Ce qui m'a le plus touché à Taizé, en fait, c'est qu'il n'y a pas seulement un discours, il y a aussi des faits et on vit quelque chose en commun. Une chose très importante pour moi ici, c'est de pouvoir rencontrer des personnes du monde entier. Et aussi la prière, où je peux me retrouver moi-même et trouver le calme. Taizé n'est qu'un petit village isolé lorsque frère Roger y arrive pour la première fois, au début de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 2 ans, il accueille dans sa maison des réfugiés, notamment des Juifs. Après la guerre, quelques étudiants se reconnaissent dans son projet de vie et le rejoignent. Ils vont devenir les premiers frères de Taizé. Refusant les dons, ils ne vivent que de leur travail. Ils prient ensemble dans l'église romane du village. Mais bientôt, celle-ci ne suffit plus pour accueillir tous ceux qui se rendent à Taizé. Un frère de la communauté, qui est architecte, dessine les plans d'une église plus grande. Elle porte le nom « Église de la Réconciliation ». L'église a été construite en 62 et pour frère Roger, elle était beaucoup trop grande. Alors, il voulait retourner à l'église romane et les frères sont retournés. Mais 10 ans après, l'église était devenue trop petite. Que faire ? Alors, est-ce qu'on écrit à tous les jeunes, mais vous êtes trop nombreux, vous ne pouvez pas venir? Non, frère Roger voulait prendre une autre décision qui était étonnante. C'est d'abattre le mur, la façade et mettre un chapiteau. Autre moment important dans la vie de Taizé, la visite du pape Jean-Paul II, le 5 octobre 1986. Il connaît Taizé depuis de longues années. Il prononce des paroles qui restent encore dans les mémoires. Comme vous, pèlerins et amis de la communauté, le pape n'est que de passage. Mais on passe à Taizé, on passe près d'une source. Oh, je me dis, on a pris conscience que Dieu nous demandait quelque chose, ça c'est sûr. Et on voudrait être, en quelque sorte, bien attentif à la belle vocation que Dieu dépose dans l'âme de chaque chrétien. Alors, on ne va pas fuir ce que Dieu nous propose, ce à quoi Dieu nous appelle. On ne va pas fuir les responsabilités, jamais. Le 16 août 2005, frère Roger est assassiné par une déséquilibrée
au début de la prière du soir. Ce que ce serviteur de la paix et homme de réconciliation a semé pendant plus de 65 ans à Thésée reste encore largement à découvrir. He wasn't a great theologian. Il n'était pas un grand théologien. Il n'était pas en un sens ce que certains appelleraient un grand orateur qui agite les bras sur une estrade et harangue la foule. Son intégrité transparaissait en tout ce qu'il faisait et disait. Ce qui apparaissait dans son visage, dans sa figure, dans sa voix et dans sa présence, c'est la possibilité de vivre en paix, de vivre en réconcilié. En général, on arrive à Thésée le dimanche pour rester une semaine. Chacun est accueilli dans sa propre langue. On vient à Thésée pour se rencontrer, pour chercher ensemble et pour prier. Une réflexion sur les sources de la foi marque le début de la journée. Ce temps de réflexion est proposé par les frères qui composent la communauté œcuménique de Thésée. Ils sont aujourd'hui une centaine et proviennent de plus de 25 pays. Les échanges se poursuivent ensuite en petits groupes où l'on apprend à s'écouter les uns les autres. On arrive à communiquer avec tout le monde, peu importe la nationalité ou la langue, ça n'a pas d'importance. Les personnes ont envie de se parler et le font naturellement. On trouve toujours les moyens pour dépasser les obstacles de la langue. Je trouve que c'est ce qui est frappant, c'est qu'on est, on vient tous de pays différents et pourtant on arrive tous à discuter, on parle à la personne qui est assise à côté de nous alors qu'on ne l'a jamais vue, qu'on ne la reverra jamais. C'était presque un défi en fait, tout de suite, de me dire, tiens, il y a des personnes que je ne connais pas, j'ai du mal à parler anglais, j'ai un accent français qui craint un peu, mais... Il faut y aller parce que c'est une chance, c'est un défi, mais on sait qu'il y a une chance derrière de pouvoir aller plus loin que notre propre personne. Matin, midi et soir, la prière commune rassemble les frères et tous ceux qui se trouvent sur la colline de Thésée. Quand je suis en tout cas à la prière de Thésée, je me rends compte qu'on est tous unis juste parce qu'on croit en quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau à Thésée, c'est la force et le pouvoir que nous donne la foi. Et c'est ce pouvoir qui nous permet de s'ouvrir, de se poser, d'être tout simplement soi-même, je pense. J'ai vraiment trouvé en fait ce que je cherchais parce que c'est une prière paisible, calme, qui permet... Enfin, les chants sont hyper importants pour moi dans la prière. Enfin, c'est très important d'avoir des chants pour m'aider à prier. Et après, les temps de silence qui ont lieu après les chants, je peux vraiment en profiter parce que j'ai réussi à rentrer bien dans la prière. Je n'ai jamais trouvé quelque chose de semblable ailleurs dans le monde. C'est une prière très apaisante. Elle entre dans votre cœur et pénètre votre esprit. Et même quand je sors de l'église, les chants de Thésée continuent à résonner en moi.
Être athésée, c'est aussi faire l'expérience de la simplicité. Pour beaucoup, c'est une expérience nouvelle. Bah, la simplicité, personnellement, ça m'aide, moi, à profiter, bah, déjà à profiter de chaque chose. On se rend compte, peut-être on apprécie plus les choses à leur juste valeur. No, the simplicity of life is not a problem for me. It's more of what I'm used to at home in Kenya. Non, la simplicité de vie n'est pas du tout un problème pour moi. Ici, c'est un peu comme chez moi au Kenya. Alors ça ne me dérange pas du tout. C'est plutôt encourageant de voir qu'une telle simplicité est possible en Europe. C'est une joie. This is so crazy. You have Dutch people, German people and French people in the last one. Congratulations. Pour accueillir 3 à 6 000 jeunes chaque semaine, comme c'est le cas durant les mois d'été, la communauté ne dispose pas de personnel. Tout repose sur la participation de chacun aux tâches matérielles. Take 2 of them and then a plastic bag of 10. Après une première semaine, quand on rentre chez soi, on se sent plus fort, plus confiant. On comprend mieux ce qu'on veut faire et on se sent plus dynamique. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il n'y a ni de déclaration, ni de charte de mission, ni de plan stratégique. C'est simplement une vie. Ce que nous aimerions que le jeune découvre ici, c'est la confiance, je pense. Une confiance qui peut animer en profondeur leur vie et qui peut les amener à des dépassements et à une grande ouverture. On est un peu vulnérable et c'est cette vulnérabilité qui me plaît beaucoup à Thésée parce que c'est vraiment être soi. Être soi. Aclamar al Señor. Tu eres Cristo, aleluya. Aclamar.